parlons de suite de l'album que vient de sortir le supergroupe Metal Allegiance. Pour rappel, un supergroupe regroupe des musiciens ayant déjà connu le succès avec leur propre groupe. Metal Allegiance est entre autres composé d'un ancien membre de Dream Theater et de musiciens de Megadeth, Mastodon, Sepultura, Pantera, Trivium, Anthrax, Judas Priest, Arch Enemy, Periphery, Machine Head, pour ne citer que ces groupes-là. La musique est du coup pas mal variée, commençant par un Gift of Pain avec une voix metalcore et un son groove metal, puis plusieurs chansons avec un son heavy metal qui ne sont pas sans rappeler les groupes du genre des années 80. Pas mal de chansons mélodiques, à tendance power metal par la suite, avec des solos sacrément bons vu le nombre de guitaristes qui ont participé à l'ouvrage. En tout cas, Can't Kill the Devil sonne vraiment Metallica. Du coup, l'album est plutôt bon, mais des fois c'est un peu comme regarder un film Avengers. C'est bien parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses, mais on s'y perd. Et on a du mal à s'habituer à un style particulier, tant il y en a des différents. Par exemple, We Rock conclut de façon épique l'album, et si on entend au début un chant féminin et une instru un peu à la Megadeth, on entend par la suite du grunt, une basse très présente, qui certes aide à la beauté de la chanson, mais lui font perdre un peu de spontanéité. Enfin, si vous avez écouté l'album et que vous avez un avis à donner, commentez. Partagez et abonnez-vous à la chaîne. A bientôt pour une autre vidéo.